Voyez ce que je vois? Ce sont des empilements de cocons. Il y en a des milliers. Si on pose les charges là-bas, ils brûleront tous. Merde, ils éclosent. Il faut agir. Vite! Ok, écoutez. On a essuyé beaucoup de pertes. C'était des frères. Maintenant, il est temps de prendre notre revanche. On pose des charges sur un maximum de ces amas et ensuite on les fait sauter à distance. À la seconde où les charges explosent, on fonce vers la sortie. Si la chance est de notre côté, en plus de griller quelques vampires, on créera une diversion. Même si on meurt ici, on aura fait crever une poignée de ces merdes avec nous. Et... qui va aller poser les explosifs? Très bien, je vais le faire. T'es malade. On fait ça ensemble. Non, plus on est nombreux, plus on risque de se faire prendre. Prenez le détonateur. Et si je m'en sors pas... Nick, laisse-moi finir. Si je m'en sors pas, vous me faites sauter ces charges. Évitez quand même de m'exploser par erreur. Jusqu'à ce que tu reviennes, on reste en contact radio. Et si le signal ne passe pas? Je tirerai une fusée. Dès que vous la voyez, enclenchez le détonateur. Fais vite et sois prudent. Ok, mon pote? Prenez ça. Mortel. Merci, colonel. Première dynamite posée. Terminée. Vers où? Gauche ou droite? À droite. Vite! D'accord.
commence à être tendu en bas, mon frère. T'as qu'à balancer les dernières charges et tu rappliques. Vise un peu ça. C'est le jackpot. C'est trop loin. Je tente le coup. Des centaines. Au moins, t'as eu le cran de me dire la vérité. Désolé, Nicky. Pour ça. Pour l'histoire du poste de contrôle. C'est la guerre, Justin. C'est les choses qui arrivent. Terminé. Désolé. C'était Nick. Nick, redites-nous où vous êtes. Je me sens mettre de la porte. 320 degrés. Mais je suis blessé. J'ai besoin d'aide. Arrête.
passer plein de trucs dans le cadre. Nick, j'ai besoin de toi. Écoute-moi bien. Si tu te retrouves tout seul, tu dois battre. Tu les feras vite et fort avant même qu'ils aient l'espoir. Et puis tu viens te cacher. C'est bien compris, c'est bien entendu. C'est Salim. Chance qu'on ait eu ses charges. Bon, ben, on dirait que tout est en train de s'effondrer. C'est Salim. Il est vivant. Salim, répondez. Vous êtes là? Je suis encerclé. Ça ne se présente pas bien. Sérieusement, si on retourne là-bas, on meurt avec lui. Il est fichu. Il faut partir. Cet homme n'est pas l'un des nôtres. J'y vais. Salim est des nôtres maintenant. Les Marines n'abandonnent pas les leurs. Vous me recevez, Salim ? Si je ne m'en sors pas. À mon fils, que j'aurais fait ce que je pouvais. Vous lui direz vous-même. Je viens vous chercher. Vous avez lancé ce truc dans ma direction ? Eh oui. Je me compte ici. C'était un truc de fou furieux. On était encerclés par ces choses, mais avec Salim, on les a défoncés comme si c'était le dernier touchdown du Super Bowl. Écoutez, on n'est pas encore sorti d'affaire.
Et ce que j'ai en face de moi, là, c'est l'élite. Mieux que ça, la crème de l'élite. Et je sais qu'on y arrivera. Ouah ! Allez, viens. On monte ensemble. Jamais dû la laisser filer. Je n'aurais jamais dû l'amener ici. On a réussi. Savourez cette lumière. Profitez-en. T'es toujours là, mon pote. On a deux soldats, en pleine forme et qui n'ont qu'une seule envie, rentrer chez eux. Dropkick à Coyote 2. Radio check, terminé. Ici Réunion 1-5, message reçu. On est à 5 minutes de votre position. Qu'est-ce que vous foutiez ? Terminé. Ah.
On s'est relevé encore une fois. On a battu l'ennemi. J'avais complètement oublié cette lumière. Je me demande si les bergers sont toujours dans le coin. Je boirais bien un truc frais. Je dois rentrer chez moi voir mon fils. Il doit s'inquiéter pour moi. Non. Ça recommence. Yeah.
L'esprit est à soi-même sa propre demeure, et il peut faire en soi un ciel de l'enfer, un enfer du ciel. Bravo! Il semble que vos protégés ont traversé leur enfer sains et saufs, bien que cette épreuve continuera de les hanter pour le restant de leurs jours. J'ai déjà hâte que nous nous retrouvions. Peut-être choisirai-je une histoire un peu plus accueillante, dirons-nous. Quelque part où vous pourriez à coup sûr passer une bonne nuit. Croyez-moi, où que nous allions, vous aurez bien du mal à en repartir. Je vous dis au revoir. Vous connaissez le chemin. T'es en retard, t'es une sale gueule. Je me suis tapé un vol de nuit, toi c'est quoi ton excuse? Bon vol? Ah, fine pourrie, bouffe dégueu, mal assis. Ils t'ont mis à l'arrière? Près des toilettes. Classe. Mais le café était pas mal, avec des bons muffins. T'as lu le brief? Pendant le vol. L'équipe d'analyse s'en sort bien? 4 des membres du groupe d'enquête ont survécu. On est en train de les interroger. On y va? Après toi. Et les entités? On n'avait jamais rien vu de pareil. Colcheck Jason, premier lieutenant, force de reconnaissance. La crème, hein? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Putain! Combien de fois je vais encore devoir vous répéter la même histoire? Je vous comprends. Cependant, SEMCOM doit clarifier toutes les irrégularités. Du genre? C'est toute l'opération qui était irrégulière! Du genre, pourquoi vous êtes rallié à un combattant ennemi? Vous étiez pas là, putain! Ces choses allaient nous tailler en pièces, alors peu importe d'où elles venaient, on avait besoin d'aide et c'est tout! Je suis retourné dans ce merdier pour sauver Salim. Cet homme en valait bien 5 comme vous! Semper Fi, putain! Alors ils ont collaboré avec un soldat irakien là-bas? Un garde républicain, si tu veux tout savoir. Il a dû lui faire une sacrée impression pour que Kolchek retourne le chercher. J'ai hâte de rencontrer ce type. Je ne répondrai plus à vos questions avant d'avoir vu mon fils! Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Vous ne comprenez rien. Jason est venu me sauver. Qu'en déduisez-vous? En bas, votre sale petite guerre n'existait plus! J'aimerais que nous reparlions des entités. Les vampires. J'ai beaucoup de mal à croire que vous ayez tué ces créatures avec ceci. Détachez-moi, et je vous montrerai comment j'ai fait. L'équipe d'analyse extrait encore des spécimens du site. C'est un carnage en bas. Ils avaient de la dynamite? On ignore où ils se la sont procurés. Non, 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 c'est bon. Je vous l'ai déjà dit, c'était une cité, toute une putain de ville pleine de ces choses. Il y avait des cocons là-bas, des cocons par milliers. Combien d'organismes étaient encore en vie sous terre? Beaucoup trop. Et j'espère pour notre bien qu'ils ont tous cramé. C'est l'affaire Winterfold qui recommence. Ah, voici le colonel Eric King, notre petit génie. Il a clairement trouvé plus que ce qu'il espérait. Tout ce que vous pensiez connaître en biologie est obsolète. Ces choses sont évoluées, elles sont plus fortes que nous, plus intelligentes que nous. Si vous voulez en tirer parti, je vous conseille de me prendre au sérieux. Personne ne doute de la gravité de la situation, colonel. De nombreuses personnes sont mortes. Je m'en suis sorti vivant. Et je vais m'assurer que ces choses restent enfouies dans cet enfer qui est le leur. Parlons de Kélus. Bon, vous me croyez maintenant? Voici Miller. Il va vous faire un débriefing. Un débriefing? Faudrait peut-être revoir votre sens des priorités. Ces choses, elles sont toujours en bas. Vous comptez vous en occuper? Nous aurons tout le temps de revenir là-dessus.
Pour l'instant, vous devriez considérer la chance que vous avez eue d'en sortir vivante. C'est un véritable miracle que vous ayez survécu en bas. J'ai appris à ne compter sur personne d'autre que moi. J'étais plus forte qu'eux. On revient tout de suite. C'est toujours bon pour dimanche? Un peu que ça va être bon. Jeannette fait un rabot. Je crois que je me ferai jamais assez. T'aurais envie de t'habituer? Au moins, cette fois-ci, c'est local. Maigre consolation. Alors, tu penses quoi de tout ça? Peu importe ce que j'en pense. La seule chose qui compte, c'est de contrôler le flux des informations. Pour le reste du monde, il ne s'est rien passé ici. To be a killer. Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you?